Eh bien, salut à tous les petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Et écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur Sauver le Monde, petite vidéo d'information extrêmement rapidement. Alors, hier, je vous avais fait le détail du patch note et je vous avais annoncé qu'il y avait une nouvelle quête secondaire à partir de Villeplanche, défense de bouclier numéro 5. J'étais un petit peu perplexe parce que j'avais pas réellement réussi à trouver ces missions, ce qu'il fallait faire, parce que il y a beaucoup de missions secondaires que j'ai actuellement, donc du coup j'avais pas vraiment réussi à trouver la mission en question. Ensuite j'ai été me balader un petit peu sur les forums et du coup sur Reddit et j'ai pu apercevoir que ces quêtes étaient en réalité plusieurs quêtes pour pouvoir débloquer des survivants mythiques, des leaders de survivants mythiques. Donc c'est entre guillemets des leaders de survivants mythiques gratuits offerts par Epic Games. Donc pour les personnes qui n'ont pas leur section de survivants à jour ou alors il vous manque tout simplement des survivants mythiques, n'hésitez vraiment pas à faire ces quêtes là pour pouvoir débloquer les deux survivants mythiques et ensuite les mettre dans votre section de survivants et ensuite les monter. Alors, il y a au total 5 quêtes à faire pour pouvoir débloquer ces deux survivants mythiques. La première, c'est sauver des survivants au cours de missions réussies. Il faut en sauver 100. Ce que je vous conseillerais de faire pour pas vraiment vous prendre la tête, vous pouvez les faire très bien à Fontainebois ou à Villeplanche. Vous mettez dans un sauver les survivants et généralement, pour une mission sauver les survivants réalisée à 100%, vous pouvez sauver au total 15 survivants, ce qui est en soi assez énorme. Si vous faites 15 et 15, ça fait 30. Au bout de 4 parties, vous en avez déjà sauvé 60. Et il vous faudra au total 6 parties pour pouvoir faire l'intégralité des 100 survivants. Ensuite, il y aura une quête qui vous demandera de tuer 1000 carcasses. Cette fois-ci, je vous conseillerais vraiment d'aller dans l'émission Broyer la Horde, puisque ça compte et c'est extrêmement rapide de tuer 1000 carcasses dans le mode Broyer la Horde. Ensuite, il faut tuer 100 monstres de la brume. Et à ce moment-là, je vous conseillerais vraiment d'aller dans les détruire les camps, sachant qu'en plus, Epic Games sont améliorés. Les détruire les camps, ça peut aller extrêmement vite, surtout 100 monstres de la brume, c'est pas non plus excessif. Et ensuite, les deux dernières quêtes vous obligent à visiter des lieux et à trouver des objets. Donc, d'après l'utilisateur de Reddit, ces missions ne sont pas très intéressantes comparées aux 3 premières. Et ensuite, une fois que les missions seront faites, vous aurez la possibilité de débloquer 2 héros mythiques, 2 leaders de survivants mythiques, ce qui est en soi juste énormissime. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup cherché puisque sur Reddit, c'était affiché en gros plan, c'est l'un des premiers articles qui apparaît quand vous allez sur Fortnite Reddit. Et comme beaucoup de personnes se posaient la question, et moi aussi, maintenant je peux enfin vous informer que ces quêtes-là vous donnent la possibilité d'avoir 2 survivants mythiques. Donc forcément, profitez-en. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et moi je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde.